Depuis le jour où son court-métrage a été retenu pour le Festival de Cannes, Numéro B a envoyé une vidéo par jour à Julien Lefebvre en attendant qu'ils aillent au festival ensemble. On va à Cannes, on va à Cannes, l'affiche de Cannes. En direct du studio de mixage pour la version finale pour Cannes. Pour Cannes. On cherche un logement pour Cannes. Tu vois ce qui est là haut ici là? Ouais. C'est pas un nœud papillon ça. C'est des lunettes. Si tu veux un nœud papillon et un costard pour Cannes, c'est juste là-bas là. Un vieux, il marche avec une. Cannes, on les a nos accréditations. Je pense avoir trouvé le logement idéal. Bon, seule contrainte, c'est que c'est dans un Ikea. Mais je crois bien que c'est un des mecs qui va à Cannes. Ah ouais, c'est lui, c'est Julien Lefebvre. Ouais, je crois que c'est lui. Hein. On va à Cannes, on va à Cannes, ils vont à Cannes, ils vont à Cannes. J'ai mal au crâne, j'ai mal au crâne. Voici des nouvelles de la plante qui tente d'imprimer ses cartes de visite. Mon costume pour Cannes commence à s'ajuster. Et voici le résultat de la plante qui tentait d'imprimer ses cartes de visite. La femelle du canard. Un canard a dit à sa canne, ricane. Oh, ma canne, oh, ma canne, oh, ma canne. Demain, nous serons le 1er mai. Le soleil se lèvera à nouveau. Et il restera 21 jours avant Cannes. J'ai une devinette pour toi. C'est le nom du monsieur qui a plein de bijoux autour du cou, qui est très très méchant, très costaud dans l'agence touristique, Mister. C'est Cannes. Au festival de Cannes. Et numéro B, il met le disque dur dans le papier cartonné. À 28 ans, je suis sélectionné au festival de Cannes. Yes, you can. À 29 ans, je vais au festival avec Charlotte la coiffeuse pour une nouvelle coupe pour Cannes. On va à Cannes, on va à Cannes, on va à Cannes, on va à Cannes. À une semaine de Cannes, je reviens sur le lieu emblématique du tournage. Je me mets dans la peau du personnage de l'homme qui se fane et je viens me réinspirer avant Cannes. Attention, le 25 mai, au Palais G, à 16h, projection de l'homme qui se fane à Cannes.